messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, processus électoral en cours. Le président de l'Estonie veut s'assurer du bon déroulement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la ville de Bouta. Chef-lieu de la province du Bas-Ouélé, Denis Kadima, appelle les électeurs à s'enrôler massivement pour les échéances électorales de 2023. Ouverture ce samedi du 36e sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Addis Abeba, placé sous le thème « Accélérer la mise en place de la zone libre échange en Afrique ». Présent à ses assises, le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a fait entendre la voix de la RDC sur le retrait sans condition du M23 sur le sol congolais. Je le disais, le président de la République, Félix Tshisekedi, séjourne à Addis Abeba, capitale éthiopienne. Plus de 50 pays prennent part au 36e sommet de l'Union africaine qui a eu lieu au siège même de cette organisation en présence d'une trentaine des chefs d'État et des quatre chefs de gouvernement. Le président de l'Union africaine, Moussa Faki, a dans son discours rappelé le thème de l'année, accélérer la mise en place de la zone libre-échange en Afrique qui peine à se concrétiser. Je l'ai dit en titre, la situation sécuritaire dans les provinces sous état de siège au cœur des entretiens entre le gouverneur militaire de la province de l'Ituri et le sous-secrétaire général des Nations Unies, Brent Kerry. Les Nations Unies réaffirment leur soutien à la RDC. Selon Brent Kerry, les groupes armés auteurs des crimes commis contre les populations civiles en Ituri seront poursuivis par la justice pour répondre de leurs actes. Junior Selemani pour le reportage. L'homme s'est dû préoccuper par de graves violations de droits humains à Ituri, œuvre de groupes armés pour Mme Brent Kerry. Le crime commis par ses auteurs ne seront pas impunis. Déclaration faite ce samedi, c'était à l'issue d'un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyan Kachoma Johnny. La situation sécuritaire dont fait face l'Ituri en ce moment et inclut évidemment pour nous la question la plus grave, c'est les violations très graves des droits humains qui se sont en train de encore se faire en ce moment. Et puis encore les violations, comme vous le dites, il y a les violations du passé, du récent passé, mais on a l'impression qu'il y a l'impunité. Et donc il faut vraiment rompre ce cycle d'impunité pour pouvoir avancer, pouvoir avoir un avenir, et la redevabilité qu'il faut est absolument nécessaire. Au même moment, elle a encouragé le travail déjà abattu par l'administration militaire dans cette province dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État. Notre présence ici aussi, nous sommes premièrement heureux de pouvoir la voir, parce que c'est vrai que de travailler sur le terrain, c'est le travail le plus important que fait le haut-commissaire des droits de l'homme et son bureau. Et puis, évidemment, l'accompagnement avec tous les... On a parlé avec monsieur le gouverneur qui a aussi le côté militaire de réponse à des situations de ces violences, mais très important, un appui sur le côté de l'approche non militaire. Donc comment avoir ces dialogues qui sont absolument nécessaires, comment approcher pour avoir aussi s'approfondir dans les causes profondes de ces conflits. On a le privilège de pouvoir appuyer aussi pour que ce processus se continue et donc avec un regard vers l'avenir aussi. Après, y inclut la redevabilité, mais aller bien au-delà de ça. Signalons que, lors de son séjour au chef-lieu de l'Ituri, la sous-secrétaire générale de l'ONU aux droits de l'homme prévoit rencontrer les différentes communautés victimes d'atrocités de l'Ituri, ainsi que les acteurs de la société civile. Je l'ai dit, le président de la Commission électorale nationale indépendante est arrivé hier, vendredi, à Bouta. Chef-lieu de la province du Bas-Ouélé, Denis Kadima, a voulu s'enquérir de l'effectivité des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette province de l'ère opérationnelle 3, un jour après son lancement officiel dans la ville de Kisangani. Tétis Samba, Jirès Tofunje pour le reportage. Les centres d'inscription de la ville de Bouta dans la province du Bas-Ouélé ont été honorés par la visite du président de la Commission électorale nationale indépendante. Ce vendredi 17 février 2023, Denis Kadima Kazadi et la délégation qui l'accompagne s'est rendue à l'école primaire Mitoukou et Boningoli pour s'enquérir du bon déroulement de l'opération d'enrôlement. Ici et là, le numéro 1 de la centrale électorale a encouragé le personnel de la CENI commis à la tâche à l'accomplir en toute responsabilité afin de rendre le service
qu'on attend d'eux au profit de la population. Au secrétariat exécutif provincial où s'est rendu par la suite, Denis Kadima Kazadi a échangé avec le personnel local de la CENI, se montrant réceptif à tout ce qu'il a écouté de part de ses composantes et donnant quelques orientations pour l'amélioration de leur rendement. Nous avons 30 jours. Il ne faut pas penser que parce qu'on a eu une session de rattrapage ailleurs, on va nécessairement faire la même chose ici et dans la même durée. Ici, vous avez bénéficié de tout ce qu'il y a eu comme amélioration. Vous, vous venez dans la dernière ère, vous avez un logiciel beaucoup plus stable et il y a beaucoup de choses que nous ne comprenions pas, que nous comprenons maintenant. Donc, profitez-en pour enregistrer nos compatriotes qui vivent dans cette partie du pays en grand nombre afin qu'ils soient aussi bien représentés dans les institutions, particulièrement à l'Assemblée nationale. Ces visites ont permis à Denis Kadima Kazadi, président de la CENI, de jauger la volonté des électeurs dans les centres d'enrôlement. Les membres du comité scientifique chargé d'élaborer la politique nationale de la justice transitionnelle souhaitent l'accompagnement de la Chambre basse du Parlement, appelée à voter des lois à la tête de cette délégation. Le professeur Luzolo Bambi, ce dernier a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, bien avant Christophe Mbosso, speaker de la Chambre basse du Parlement, a compati au malheur qui a frappé la Turquie dans ce séisme qui a fait plus d'un millier de morts. Un condensé de Sylvie Mouimbo. C'est dans les malheurs qu'on reconnaît le vrai ami, dit-on. Face au séisme qui a touché la Turquie et la Syrie, le 6 février 2023, la ville d'Adıyaman, dans le sud de la Turquie, a enregistré des milliers de morts et d'énormes dégâts matériels. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais, Christophe Mbosso Kodiapwanga, et André Mbata, premier vice-président, sont venus compatir aux malheurs qui frappent ces pays et en faire part aux diplomates turcs en poste à Kinshasa. La représentation nationale et de cœur avec le peuple turc, avec les institutions, et nous prions Dieu Tout-Puissant pour qu'il aide le peuple turc à sortir de cette dure épreuve pour que la Turquie poursuive ses efforts d'émergence. Savez-vous que la constitution de la RDC vient de totaliser 17 ans? Pour ce faire, une conférence était animée par des éminents professeurs et constitutionnalistes. Voilà, au cœur de cette conférence, les intervenants ont relevé les avantages de la loi fondamentale avant d'inviter les Congolais à s'en approprier. Robert Ndeye Tshisense pour le reportage. 17 ans depuis la promulgation de la Constitution de la République démocratique du Congo, la lecture et la connaissance de cette loi fondamentale n'est qu'une affaire d'une poignée de Congolais. Beaucoup éprouvent un désintéressement à cette Constitution. Fidèle à sa tradition, instituée depuis le 10e anniversaire, l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement a organisé samedi 18 février 2023, dans l'enceinte de l'Université de Kinshasa, une conférence de presse avec comme intervenant le professeur André Mbatabetoukoumessou, professeur Jacques Ndjoli et les doyens de la faculté de droit, le professeur Essambo, placé sous les thèmes « Constitution, justice et élection ». Les doyens de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa a dit toute sa joie d'échanger et évaluer l'appréhension de cette loi mère. Devant la presse, le professeur de droit constitutionnel, André Mbatabetoukoumessou Mangou, a présenté les avantages de cette constitution du 18 février 2006. Elle est, selon lui, la meilleure constitution de la République démocratique du Congo depuis 1960. Pourquoi est-ce qu'elle est la meilleure? On l'a toujours dit, on l'a souvent dit. Elle est la meilleure parce qu'elle pose les principes fondamentaux de l'état de droit, du constitutionnalisme. Elle protège également d'une façon particulière, plus qu'aucune autre constitution auparavant, le droit donc que les Congolaises et les Congolais peuvent exercer dans notre pays. Il a été rejoint par le professeur Jacques Ndjoli qui est revenu sur l'importance de cette constitution en parlant de l'état de siège, de la proclamation de la guerre. La célébration de cette date coïncide avec l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Le territoire congolais a une superficie de 2 345 410 km². Pour que tous savent qu'aucun centimètre de cette 2 345 410 ne peut partir. Nous allons mettre ça dans la Constitution comme un acte constitutif.
Au-delà de l'ignorance et du manque d'intérêt sur la date du 18 février, l'on note également l'ignorance presque collective sur l'importance et les contenus de la Constitution de la République dans le milieu académique et même scolaire, où les apprenants et les enseignants découvrent à peine ces documents, pourtant considérés comme une boussole de toute une nation. Une réalité qui fait suite au manque de vulgarisation de la loi fondamentale. Il a fallu attendre 51 ans pour voir un Congolais occuper une haute fonction au sein de l'Union africaine. Le docteur Jean Kaseya, 53 ans, a participé au concours du Centre africain pour la surveillance et la prévention des maladies, une grande organisation sanitaire d'Afrique basée à Addis Abeba. Le candidat de Félix Tshisekedi a été élu par les chefs d'État parmi 180 candidats. C'est l'épilogue d'une longue lutte diplomatique menée par le président de la République, Blandine Zovo. Pour le reportage. Là, je peux dire que c'était une longue bataille qui a commencé depuis le mois de juin. Et avant de parler de tous les autres présidents, il faut se dire que c'est le président Tshisekedi qui a cru en nous avec tout son gouvernement et nous le remercions beaucoup. Je dois rappeler que la dernière fois qu'un Congolais a occupé un poste pareil date de 1972. Et donc c'était une très longue bataille. Il y avait 180 candidats au total. Et il restait deux candidats et les chefs d'État africains aujourd'hui lors du sommet ont voté en notre faveur. Ça signifie que c'est une diplomatie agissante, agressive et qui n'a pas fait dormir et les chefs de l'État et le ministre Lutundula et le ministre Mbungani et tous les autres membres du gouvernement qui nous ont soutenus. Merci à tout le monde pour ces succès et on est fiers pour la nation congolaise. Un pays qui a une diplomatie agissante doit placer les gens à un haut niveau des organisations internationales. Tant qu'on n'arrive pas à placer les gens, ça signifie que la diplomatie n'est pas agissante. Donc ça, c'est un signal très fort pendant ce moment que notre pays traverse avec la crise de l'Est, comme l'on sait. Ça donne l'espoir de dire que notre diplomatie marque les pas, hein, marque des buts, et va de l'avant, et ça c'est quelque chose de très encourageant. Ça va aussi encourager beaucoup d'autres Congolais qui sont des milliers, même plus qualifiés que moi dans différents domaines, d'avoir aussi des postes encore importants dans les organisations internationales. L'ambassadeur de la jeunesse congolaise a organisé ce samedi une matinée de réflexion autour des 4 ans du chef de l'État à la tête du pays. L'objectif est de sensibiliser la jeunesse à s'approprier la vision du président de la République pour un Congo émergent. Blandine Zovo, Roger Dier pour le reportage. C'est une force et elle a la capacité de transformer la société en exerçant une influence durable sur les dirigeants et les citoyens en vue de libérer le pays de tous les fléaux qui bloquent son épanouissement. À Béatrice Hôtel, les leaders des différentes associations des jeunes étaient conviés à une tribune d'expression patriotique pour réfléchir autour du bilan du chef de l'État à la tête de la RDC avec pour thème « 4 ans après, la jeunesse au chapitre de Fatshi ». Plusieurs personnalités étaient présentes pour sensibiliser la jeunesse sur son implication à soutenir les actions du président de la République. L'initiative est signée William Mukambila, ambassadeur de la jeunesse congolaise. Et sur ce, je profite de l'occasion pour féliciter et encourager la volonté des jeunes congolais. Les chefs de l'État font appel à nous et nous avons vu d'une manière enthousiasmée et pleine de sens patriotique dans les chefs de jeunes s'enrôler dans la vie. Aujourd'hui, notre millier est en train de nager entre 14 et 16 milliards. Waouh! Mais tant! C'est un élément pour dire ce problème. Parmi les orateurs, Eric Nindou Kibambe, directeur de la cellule de communication du chef de l'État, qui a parlé des prouesses du président de la République dans différents domaines de la vie nationale. Le patron de la communication présidentielle a exhorté la jeunesse à prendre ses responsabilités dans le monde politique et à bannir la haine, le tribalisme, la corruption, afin de porter à bras le corps la vision
du chef de l'État. Il faut vous intéresser à la vie politique, il faut lire les programmes des candidats et il faut échanger avec les hommes politiques, comprendre ce qu'ils font et vous impliquer aussi. Si vous êtes jeune, vous devez devoir vous impliquer dans la vie de votre pays, dans la vie de votre cité. Concernant les réalisations du chef de l'État durant les 4 années qui viennent de se dérouler, je veux dire, je ne peux pas laisser une liste exhaustive parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Beaucoup de chantiers ont été enclenchés. Le député Bernard Kayumba et M. Anissé Kabananga, respectivement rapporteur de l'Union Sacrée et inspecteur à l'IGF, ont également entretenu la jeunesse, d'abord sur l'impact de la volonté politique du chef de l'État sur la vie nationale de la RDC, ensuite sur la lutte contre la corruption, le rôle et l'impact de l'IGF dans la mobilisation des recettes de l'État. La Cour des comptes a organisé un atelier de vulgarisation sur la loi organique portant organisation, fonctionnement et composition de la Cour des comptes à l'intention des comptables publics et receveurs principaux des régies financières. C'était au Palais du Peuple. Un reportage de Nancy Poba. De vulgarisation de la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, tenue ce samedi 18 février 2023 à la salle de spectacle du Palais du Peuple. Les comptables publics principaux et les receveurs principaux des régies financières étaient les cibles privilégiées de cette communication. Prenons la parole pour ouvrir le dit atelier, le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga-Ngwaka, a rappelé à ses invités la place qu'occupent les comptables dans l'assainissement de l'environnement des finances et des biens publics et leur devoir envers la Cour des comptes tout en se basant sur les prescrits de la loi organique. Les comptables publics que cette loi organique reconnaît en son article 2 comme un acteur principal dans l'exécution du budget du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. À côté de l'ordonnateur, ne pouvait pas lui non plus échapper au devoir sacré de redevabilité, surtout que c'est par lui qu'entrent et sortent les deniers publics. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Guylaine Yémo, représentant personnel du président de la République, a rehaussé de sa présence la dite activité, prouvant ainsi l'accompagnement du magistrat suprême de la République. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a participé activement au débat en promettant des grands changements dans le secteur. Nous allons aller vers une grande modernité et c'est déjà en route parce que la direction générale Trésor de la comptabilité publique est en train de se mettre en place. Nous ne sommes pas dans le futur, nous avons démarré. L'atelier s'est clôturé après des échanges houleux entre l'équipe dirigeante de la Cour des comptes et les comptables publics principaux. La conférence des directeurs de la Direction générale des recettes administratives, domaniales, judiciaires et de participation s'est clôturée ce samedi, à l'issue de laquelle les participants ont pris l'engagement de mobiliser les recettes non fiscales au-delà des assignations budgétaires. C'est le vice-ministre des Finances qui a procédé à la clôture des dix travaux, Cédric Kenina. Conférence des directeurs de la DGRAD qui se termine sur une note plus que satisfaisante. Placé sous le thème « Évaluation de l'exercice 2022 et défis à relever en 2023 », ces assises qui se sont clôturées en présence de la vice-ministre des Finances, Onej Ntsele, ont revêtu un cachet particulier dans les objectifs poursuivis, notamment les consensus dégagés autour du plan d'action stratégique des mobilisations des recettes 2023 qui sera enrichi par les services d'assiette, l'engagement des participants pour une mobilisation optimale des recettes et l'appropriation des projets de réforme. Tenant compte de la complexité des défis à relever par la DGRAD dans la réalisation de sa mission, la Direction générale prend l'engagement à faire en sorte que les résolutions découlant des recommandations y formulées soient mises en œuvre. S'agissant des mesures qui ne relèvent pas de la compétence de la DGRAD, nous sommes confiants quant au soutien habituel du gouvernement de la République à travers son Excellence Monsieur le ministre des Finances, que nous remercions de nouveau sincèrement. Nous devons aider le gouvernement, nous devons aider son Excellence, messieurs les présidents
Antoine Félix Tshilombo, nous devons lui donner les moyens de sa politique, afin que le Congo soit doté de moyens et afin que le président puisse répondre positivement aux attentes. Les actes d'engagement signés par les directeurs des services techniques de cette régie financière doivent servir in fine des repères d'auto-évaluation pour des sanctions positives ou négatives. La 47e Assemblée générale annuelle de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africain va se tenir dans les tout prochains jours ici à Kinshasa, sous le patronage du président de la République, Félix Tshisekedi, et du ministère des Finances. L'objectif majeur est de favoriser la création des sociétés d'assurance. Merveille Mikomo, Hugo Mazangou pour le reportage. La 36e session de l'Assemblée générale de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a été ouverte ce samedi dans un contexte particulier, marqué par le 60e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Union africaine et les 20 ans de l'Union africaine. Dans leurs différentes allocutions d'ouverture, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres et tous les autres intervenants ont rendu hommage au père fondateur de cette institution panafricaine. Moussa Faki Mahamat a fait part de son profond regret de constater qu'en 60 ans, l'Afrique n'a pas pris son envol. Les continents sont minés par des crises sécuritaires qui empêchent son développement malgré ses nombreuses richesses. À ce sujet, et prenant l'exemple de la République démocratique du Congo, le président sortant Macky Sall a salué la décision prise par les chefs d'État à travers les conseils de paix et sécurité en vue de ramener la paix à l'est de la RDC. En effet, les communiqués finaux de la CPS a enjoint les M23 et tous les autres mouvements terroristes de cesser immédiatement les hostilités et qu'ils se retirent sans condition de l'est de la République démocratique du Congo. Au cours de cette journée inaugurale, le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a été investi à la présidente tournante de l'Union africaine pour cette année. Son bureau est constitué des présidents Masisi Dipochwana, Évariste Ndayishimiye du Burundi, et le poste de premier vice-président attribué à l'Afrique du Nord fait encore l'objet de tractations. Le président sortant Macky Sall, lui, assure le poste de rapporteur. Très actif dans la diplomatie secrète, le président Félix-Antoine Tshisekedi a réussi à faire élire Dr Jean Kaseya à la tête de CDC, le Centre africain de surveillance et de prévention des maladies. Vous avez compris que la réalisation est allée vite en besogne. Il s'agit du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a pris part à l'Assemblée annuelle de l'Union africaine. Je disais donc, la 47e Assemblée générale annuelle de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africain va se tenir ici à Kinshasa dans les tout prochains jours sur le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et du ministère des Finances. L'objectif majeur est de favoriser la création des sociétés d'assurance. Merveille Mikomo. L'Afrique du Congo accueillera du 20 au 24 février 2023 la grande messe de la 47e Assemblée générale annuelle de la FANAF, Fédération de sociétés d'assurance et des droits nationaux africaines. 48 heures avant l'ouverture des 6 assises qui se tiendront au Palais du Peuple, une conférence de presse a été organisée en vue d'en fixer les grands axes. Pour essayer de réduire, conserver le marché de prix, il faut que le marché s'organise pour augmenter ses capacités dans la capitale et fonds permanents. Donc les sociétés seront plus fortes. Et c'est ce qui s'est fait dans les marchés des ciments et la plupart des marchés hors ciment, où effectivement il y a eu des augmentations de capitaux. C'est sous le haut patronage et l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, par les biais du ministère de Finances en charge de ces secteurs, que ce grand rendez-vous annuel va connaître son succès organisationnel. J'aimerais remercier particulièrement le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour avoir permis justement que cet événement se déroule sur son haut patronage, et également remercier le ministre des Finances, M. Kazadi, pour justement l'appui. Tout est prêt. Le thème retenu pour cette édition est l'assurance africaine, comment exploiter au maximum son potentiel pour une prospérité partagée. Un thème qui vise notamment à sensibiliser le monde et l'ensemble des acteurs à saisir toutes les opportunités pour la protection des hommes et de leurs biens.
Le bureau de représentation de la Commission nationale des droits de l'homme a été mis en place. Paul Sapou est élu pour présider aux destinées de cette organisation. Reportage. Leur nomination par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le 6 février dernier, les membres de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, n'ayant pas réussi par consensus à se doter d'un bureau définitif, une élection a été organisée conformément à l'article 9 de la loi organique sur la CNDH et des articles 60 à 65 du règlement intérieur de la CNDH. Paul Sapou Moukoulou est le désormais président du bureau définitif de la Commission nationale des droits de l'homme. Aujourd'hui, les collègues nous ont encore fait confiance en nous élisant au bureau de cette institution citoyenne. C'est une joie, c'est une reconnaissance, tant pour le travail qui a été pendant des années, de longues années, abattu dans le cadre des droits de l'homme. Je pense en ce moment-ci à mes collègues Floribert Chebeya et tant d'autres de ma promotion avec lesquels nous avons semé cette graine de la culture du respect des droits de l'homme. Une grande charge, nous avons accepté, mais ensemble, je crois que nous allons réussir, nous allons relever le défi. Le bureau affiche complet et la CNDH peut à présent se lancer sur le terrain où les menaces aux droits de l'homme se font de plus en plus récurrentes. Le ministre de la Communication et Voies de Transport a eu des échanges avec la délégation de Transacadémia. Regardez. Transport d'avenir, Transacadémia reste cette solution salvatrice du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour faciliter la mobilité des étudiants congolais. Les dispositions finales sont prises avant le lancement imminent des bus. Georges Ongelo Danga, directeur général des Transacadémia, accompagné de son adjoint José Makengo, vient de présenter au ministre par intérim des Transports et Voies de Communication, Marc Ekila, le modèle de panneau de signalisation des arrêts repères pour étudiants sur les différentes lignes de panneaux personnalisés. Les bus ne peuvent pas circuler sans que nous ayons des arrêts de bus pour indiquer à nos passagers qui sont les étudiants, où est-ce qu'ils peuvent attendre les bus. Nous avons conçu des panneaux fluorescents. Nous avons préféré nommer nos arrêts de bus pour immortaliser les illustres personnalités dans les secteurs scientifiques. Ce dernier virage de la mise en circulation des bus transacadémiens a également conduit le staff de cette entreprise auprès du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Avec Mouindo Nzangi, le directeur général Georges Ongelo Danga a dévoilé le plan des opérations de transport des étudiants à Kinshasa et à travers le pays. Après sa ronde à travers les instituts supérieurs et universités parties au projet. Nous sommes venus échanger avec lui de quelle manière nous voulons évoluer avec le partenariat. Transacadémia, c'est le transport de l'avenir. Nous venons pour assouplir la vie des étudiants qui fréquentent les universités. Les deux parties ont également passé en revue la problématique de la souscription des étudiants pour avoir le droit d'embarquer et d'être transportés dans les bus Transacadémia. Le futur est à nous, c'est le thème d'une matinée politique organisée à l'occasion de la présentation officielle et du 5e anniversaire du Parti républicain de Léon Kengo Adondo. C'est Marie-Claire Kengo, présidente du parti qui a présidé la dite cérémonie, Grâce Maosso, pour le reportage. C'est dans une ambiance de joie que les membres du parti, les républicains, ont célébré le 5e anniversaire de son existence. C'était également l'occasion de procéder à la présentation officielle du dit parti, cher au patriarche Léon Kengo Adondo. Le secrétaire général Dave Ikeme Beleke a présenté à cette occasion les acteurs dirigeants de ces partis venus de toutes les provinces. Pour lui, cette journée a eu aussi pour objet de faire la restructuration, la projection, en même temps réveiller l'espoir des peuples congolais et des républicains. La question sur la situation de la guerre à l'Est était évoquée et une minute de silence a été observée en mémoire des compatriotes décédés.
La présidente nationale des Républicains, Mme Marie-Claire Kengouadondo, a réitéré le vœu d'accompagner le chef de l'État dans son mandat. Nous avons organisé cette matinée pour pouvoir encourager nos membres et leur exprimer notre reconnaissance parce qu'ils ont toujours été fidèles et présents. Ils font partie de l'Union sacrée dès le début pour pouvoir soutenir la vision du président de la République. Marie-Claire Kengouadondo a salué la bravoure et la présence des acteurs venus de tous les coins du pays. L'action de solidarité fédéraliste alliée aux Tshisekédistes a installé sa fédération de Moamba dirigée par Emmanuel Tshia. Regardez. Sur l'échiquier politique, les soutiens du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi se comptent par milliers. Action des socialistes fédéralistes alliés tshisekédistes à Soufati vient d'en faire une démonstration irréfutable à l'installation de son comité fédéral de Moamba. Emmanuel Tshiatshibouyi, président fédéral qui est à la tête d'une structure de 13 membres, a posé un geste qui prouve l'engagement de son comité au soutien du candidat de l'Union sacrée. Une enveloppe pour soutenir la caution de leur candidat à la prochaine présidentielle a été remise au président national d'Asofati, Jean-Pierre Kandouzaza. Ce dernier, venu installer ce comité, est un homme comblé. Et je demande à tout le monde d'adhérer dans la Sofati, parce que notre slogan est intitulé « Pas une parcelle sans la Sofati ». Donc nous sommes derrière le chef de l'État, comme venait de le dire notre président Jean-Pierre, nous sommes derrière le chef de l'État, nous allons mouiller les maillots pour donner au chef de l'État la majorité aux élections déjà qui pointent à l'horizon. Alors que s'approchent les échéances électorales, Asofati se met en ordre de bataille avec la détermination de donner au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, un second mandat et une majorité à l'Assemblée nationale à la prochaine législature, afin que des politiques innovantes soient mises en place au profit du peuple de la RDC. Les sinistrés des dernières pluies diluviennes qui se sont abattus sur la capitale continuent de bénéficier des dons de plusieurs associations. Cette fois-ci, le bienfaiteur, c'est l'Ernst Club, un club qui regroupe des femmes et des hommes qui répondent aux problèmes locaux et dans le monde dans le but de renforcer les liens au sein des collectivités. Yolande Voka, Jean-Pierre Moaï pour le reportage. 125 familles de sinistrés de la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la ville province Kinshasa du 12 au 13 décembre dernier ont reçu une assistance des vivres ce samedi 18 février, une assistance du Lions Club International. Dans leur mission de servir le vulnérable à travers leur programme d'urgence, les Lions Club a volé au secours de sinistrés de Matadi Mayo, Selembao et Ngaliema. Les représentants du Lions Club District 409 Club Bondeko avaient apporté de sacs de riz, de maïs, haricots, d'huile et tant d'autres vivres pour redonner le sourire sur le visage de sinistrés. Nous sommes là pour changer le monde. Nous existons parce que nous devons faire des œuvres. Quand on a appris cette triste nouvelle de nos compatriotes qui nous ont laissé suite à cette pluie diluvienne du 13 décembre, on s'est dit qu'on doit faire quelque chose. Nous avons bien entendu les mécanismes qu'il faut déclencher, nos collègues de fonds, pour pouvoir venir en œuvre à nos frères qui nous ont laissés. Là où il y a un besoin, vous trouvez les lions. Les lions sont les hommes et les femmes, des volontaires qui se sont engagés pour être au service de leur communauté. Les bénéficiaires n'ont eu qu'un seul message, merci au Lions Club. On ne peut que les remercier, c'est ce qu'ils viennent de faire. Nous appelons aussi les autres qui peuvent faire quelque chose pour les sinistrés. Ça sera toujours la bienvenue. Merci beaucoup. Leur credo, c'est servir. C'est la raison d'être de cette association qui intervient dans plusieurs domaines sociaux, notamment les financements de la vaccination, les infrastructures sanitaires et éducationnelles. La non-homologation des stades en RDC, la reprise du championnat national et la débâcle des Léopards au dernier chan, des sujets au centre des échanges entre le conseiller principal du chef de l'État au Collège d'éducation, culture et art avec la délégation d'Afekofa. Juste après, l'abbé Théodore Chilumba a conféré avec l'association des professeurs d'université. Guila Kabalonji, Dadi Ndala pour le reportage.
Au cœur des débats depuis plus d'une semaine, la question de la non-homologation des stades en RDC continue de préoccuper de nombreux compatriotes. Dans la salle du 24 janvier du Palais de la Nation, ce samedi 18 février 2023, ce sujet était au cœur d'une rencontre entre le conseil principal du chef de l'État au Collège Éducation, Recherche Scientifique, Culture, Arts et Secteur Religieux, avec une délégation de la Fédération Congolaise de Football, Association FECOFA. L'abbé Théodore Chilumba, qui a voulu en savoir un peu plus auprès de la FECOFA, organe technique sur cette question, a également évoqué avec ses interlocuteurs la débâcle des Léopards lors du dernier CHAN, mais aussi les préparatifs du prochain match des Léopards seniors en éliminatoire de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Nous avions conseillé l'autorité à tenir compte des premières réunions faites avec les inspecteurs CAF. Vous savez, dans la rénovation, la réhabilitation d'un stade, il y a des aspects prioritaires, des aspects primaires et des aspects secondaires et voire accessoires. Ça a commencé en août 2021. Il était question de pouvoir faire l'infirmerie, la salle de conférence de presse ainsi que la zone de presse. Ce sont là les prioritaires et je crois que nous avons aussi proposé à l'autorité la mise en place d'une commission mixte, FECOFA, présidence, ministère des Sports, ministère des Infrastructures, pour qu'ensemble puissions voir comment, une fois pour toutes, mettre ce stade au standard international. Peu après la FECOFA, le conseil principal du chef de l'État s'est entretenu avec les réseaux de professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo et l'association des professeurs de l'université de Kinshasa. Ces professeurs exigent la mise en œuvre effective et totale de tous les engagements pris par le gouvernement à Biboua Ntsele en avril 2022 pour l'amélioration de leurs conditions de vie, notamment en matière de barème salarial et des situations des véhicules. Et nous sommes venus sur l'invitation du conseiller. Et pour échanger un peu, je crois qu'il en est sorti qu'il va transmettre nos désidératants au chef de l'État pour une solution. Et nous avons insisté sur le fait que toutes les instances habilitées pour ce genre de problème ont échoué. Avec une oreille attentive, le conseiller principal du chef de l'État a promis de transmettre fidèlement le contenu de cette réunion aux premiers citoyens du pays. Et puis ce communiqué avant de lire les ordonnances présidentielles, vu le moment de tension que traverse la province du Nord qui vaut suite à la guerre menée par le 123 RDF, son Excellence Monsieur le Gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Constant appelle la population de sa juridiction à bannir toute stigmatisation et à se tolérer mutuellement pendant cette période d'enrôlement. L'autorité provinciale rappelle que tout acte de stigmatisation et d'exclusion à l'endroit d'une quelconque communauté perturberait le processus d'enrôlement en cours et faciliterait le jeu de l'ennemi, car c'est dans l'unité que nous vaincrons ce dernier. Toutefois, son Excellence Monsieur le Gouverneur militaire en appelle à la vigilance de tous les services de sécurité et les bureaux de la CENI déployés en province de tout mettre en œuvre afin d'empêcher aux intrus de s'enrôler pour octroyer frauduleusement l'identité de la RDC. C'est un communiqué signé le lieutenant-colonel Djike Kaiko Guillaume. Et puis, cette ordonnance présidentielle, le président de la République ordonne, article 1, sont nommés membres du conseil d'administration du conseil congolais de la batterie en sigle CCB, les personnes dont les noms, postenant et prénoms ci-dessus, monsieur Makimba Mungomba Jérôme, monsieur Lécouturier Denis, monsieur Kanda Tumba Jean-Marie, monsieur Zagio Tchor Mouyimp Noël, M. Moulumba Pandangila Thierry, article 2, sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom. Les personnes ci-après, M. Makimba Mungomba Jérôme, président du conseil d'administration, M. Lécouturier Denis, directeur général, M. Kakule Vuko Ndondo, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre de l'Industrie
est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 16 février 2023. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama, Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée et conforme à l'original le 16 février 2023, le cabinet du président de la République, Guylaine Mbombouizaï, directeur de cabinet. Et puis cette autre ordonnance, le président de la République ordonne, article 1, est nommé directeur général de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique DGTCP en sigle, M. Maketa Lutete Thomas. Article 2, sont nommés directeurs généraux adjoints de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique DGTCP en sigle aux fonctions spécifiées. En regard de leur nom, les personnes ci-après, Monsieur Maebe Mwanimi Serge, directeur général adjoint chargé des questions techniques et des réformes, Madame Kindwelo Lumbu Kipambe Livi, directeur général adjoint chargé des questions administratives et financières. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, ainsi que le ministre des Finances, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 16 février 2023. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée et conforme à l'original le 16 février 2023, le cabinet du président de la République, Guylaine Mbombouizaï, directeur de cabinet. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Patrick Michel Moukouy revient demain à 20h pour vous informer. José Baïtombo revient sur ce même plateau à 23h. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.